Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 mars, le premier vendredi du mois et le deuxième vendredi du carême parce que l'avait eu l'autre vendredi, tu vois, le 28. 26, 27, 28. Aujourd'hui, nous rouvre le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain. Il vivra. Il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu? Et non, pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice, et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce que ma conduite qui n'est pas la bonne, n'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra. Il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Chers amis, nous écoutons le kyrie de la messe 9h et puis nous nous retrouvons juste après. Seigneur Jésus, le Papa dans le ciel l'a envoyé à où? Pour tirer avec nous toutes la racine du mal, pour sauver toutes de monde. Kyrie eleison. Christ, vous êtes venu dessus la terre pour aider nous, pour changer notre cœur. Christ est l'Aïson. Seigneur, oublie donne la gloire à notre Papa dans le ciel. Dis un bon causement pour sauver nous. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, au Christ, prends pitié. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, regarde-nous un petit coup dans ta bonté, dans la vision, ta vision de la sainteté. Et aujourd'hui, Ézéchiel, il cause avec nous, enfin, Dieu, il cause avec nous à travers Ézéchiel. Et comme ça, il dit à nous en résumé que l'espoir l'est permis, que l'espérance l'est permis. Si nous l'a péché, si nous l'a fait des bêtises dans notre jeunesse ou bien dans notre vieillesse, hein, parce qu'il n'est jamais trop tard pour faire des bêtises,
Si nous pensons que nous, personnellement, nous pensons que nous sommes dans un mauvais chemin, si nous avons fait des choses qui chagrinent les personnes autour de nous, ben, si nous avons fait commettre un péché, eh bien, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Nous-mêmes, avec la grâce de Dieu, nous pouvons réparer ce péché-là. M'imagine un instant si il y a un père de famille, ou bien une mère de famille, hein, qu'importe, un parent, si à cause des difficultés financières par rapport aux, comment on appelle ça, aux études, par rapport à son insertion sociale, il la laisse son enfant. Il a fait un enfant et il a délaissé son enfant, il lui donne son maman, bien son papa, bien son famille pour soigner ses enfants. Il a continué à faire sa route. Ben, aux yeux de la société, nous pensons que, enfin voilà, le monde va dire, il abandonne ses enfants tant que petit, il est parti en France, il est parti en Australie, il a parti faire son vie, mène son vie tranquille. Mais au fond, lui-même là, il a peut-être une autre raison que nous ignorons un certain sentiment de faiblesse. Et là, nous, bam, le papa l'abandonne à haut, maman l'abandonne à haut. Voilà, il est parti mener son vie, comment ça, son vie zenzan, son vie zen fille. Voilà, c'est là pas gagné à Réunion, partir en Australie, voilà. Et il peut mener la vie, comment dire, je me rappelle plus, la vie en gaieté. En gaieté, hein, les gars, j'ai pas mis de L dedans, hein. Pas d'L. La vie en gaieté. La vie, une vie tranquille, quoi, sans attache. Mais nous connaît pas nous que ça la, nous connaît pas nous personnellement, nous connaît pas que ça la pousse à aller à faire ça. Et nous estime, nous fait de la calomnie ici, nous sommes en train de tuer Ali en fin de compte. Et ça, coup, arrête, arrête cause là-dessus, arrête juge les personnes, arrête juger en tout cas. Et si cette personne-là, à un moment donné, dans son réflexion, quand il s'en est prêt, dit, eh ben, c'est mon enfant quand même. Aujourd'hui, ben, mon enfant, il a 17 ans, ben, m'y revient. M'y revient à la réunion, ben, m'y ça reprendre contact avec lui, m'y téléphone Freedom pour reprendre contact. Et voilà que, pardon, mais la gorge gratte. Et voilà que, justement, il prend le temps avec toute cette souplesse, toute cette affaire-là, il revient dans l'estime de son fils, de sa fille, de ses enfants. Il revient en affection, et ce que les gens l'a dit, la mettre dans la tête le Mahama jusqu'à 17 ans, le Mahama dit, ben non, ben elle a trompé, regarde comment elle est affectueuse. Et tout ça, en fin de compte, n'aura un moment donné, tu vois, n'aura un moment donné, n'aura un repoussement de la tête le Mahama dit, ben dans 17 ans, l'abandonne à moi, il a revenir, hein, ou croire que ça est facile pour moi. Mais si nous laisse notre cœur envahi par le flot d'amour de Dieu d'un côté comme de l'autre, si nous accueillons cette conversion-là, si nous comprenons, si nous causons, si nous parlons, si nous partageons, eh bien, Midio, franchement, il vaut mieux cette réconciliation, elle sera mieux encore que des familles que les établies pendant 17 ans, la fait avec la gueule, la picose avec, etc. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que la faute, là, la faute que les gens y donnent à nous, bien que nous-mêmes nous infligeons à nous, le Seigneur ne pense pas comme ça. Si nous retournons, si nous revient dessus notre condition, si nous réconcilions à nous avec l'amour, avec la justice, avec l'affection. Tu vois? Là, Maladon donne un exemple de parents qui quittent le cocon familial d'un parent, mais ne nous peut appliquer ça dans toutes les situations. Que ce soit en couple, que ce soit deux frères qui se séparent, que ce soit un mari, une madame. Voilà. Et tout ça, si nous mettons tout ça un jour dans la main bon Dieu, si nous revient, ben, nous revient en forme, nous revient lavé. Mais aussi, il y a aussi le contraire. Si un monde, il fait son petit intéressant devant les gens, il dit voilà, moi, m'a donné mon garçon un loto, un BM, ou bien un Cayenne, ou bien un Cayman, ou bien quoi, pas moins, un loto de luxe de sport, un Lamborghini, un Lotus, ou bien Baguera. Et si, en fait, les gens disent, eh ben oui, ma Bouglade est généreux, il habite dans une petite case, il ramasse tout son argent pour son garçon, il a donné un beau cadeau. Mais si après, entre-temps, il médit le marmaille, il se raconte de monde
en secret que tes marmées fatiguent moins, et ben mon argent épuise moins. Devant le Seigneur, que ça va rester. Parce que si on montre un bon visage, et puis au fond de nous-mêmes, on n'est pas bien. Et puis, ça, il fuit ça. Dit, tu connais que ça, Félix a dit son gars, ça, c'est un ingrat. Et puis, tout le monde, que ça va remarquer. Il oublie le petit cadeau qu'il a fait là. Il va dire, Félix, t'es quand même, on dirait pas, c'était un mot comme ça. Hein. Voilà. C'est toute cette honte-là qu'il montre de si les personnes. Aujourd'hui, ce passage, que c'est dit comme ça, il dit que d'une part, il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour aimer, il n'est jamais trop tard pour accorder. Et il dit comme ça, attention de ne pas empirer les choses, de ne pas se détourner de ce qui n'est pas de Dieu. Alors reste aujourd'hui dans l'amour, alors reste aujourd'hui dans la justice, alors reste aujourd'hui dans le droit, dans l'affection, dans tout ce qui est lumière, dans tout ce qui est entente. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, nous souhaite à nous de rouvrir notre cœur à tout ça. Et le Seigneur, là, il est plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison. À nous, nous va penser une manière. Peut-être là, aujourd'hui, il donne aux autres des trucs, mais peut-être le Seigneur pense autrement. Il faut nous accueillir vraiment ce que le Seigneur, il est. Le Seigneur, quoi, il est? Le Seigneur est tendresse, pitié, lent à la colère et plein d'amour. Et à nous essayer d'être à son image. Bye bye, à demain.